Salut les petits culs, c'est Caoutchouc. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo d'achat-revente dite astuce du jour. Donc, cette vidéo elle va être très simple. Vous allez voir une technique très facile, ça tombe énormément. Donc, vous prenez les MC brésiliens, vous prenez tout et l'idéal c'est de se mettre à max achat immédiat à 600 crédits. Donc, là, je vais vous montrer quelques exemples de cartes qui tombent. Vous allez voir que j'en ai acheté plein, plein, plein. Donc, ce qui est bien avec cette technique, c'est que vous allez avoir plein de joueurs différents parce qu'il n'y a pas qu'une seule carte. Là, vous avez vu, il y a un joueur qui s'appelle Ronaldo à 600 crédits. Ici, vous allez revoir par la suite un autre joueur qui s'appelle Silva à 250 crédits. Donc, je vous conseille, c'est de comparer les prix parce que, comme je vous dis, il y en a énormément. Regardez ici, Gerson, par exemple, Gerson qui joue à l'AS Roma, il coûtait plus cher que le joueur précédent. Ici, une carte bronze, c'est pour vous dire que les cartes bronze, ça marche aussi. Donc, quand j'ai fait la technique, tous les joueurs, ils étaient à 900 crédits. Là, au moment où je tourne la vidéo, il est midi 8, on est samedi, je ne sais pas du tout à combien ils sont, mais vous inquiétez pas, dans une partie de la vidéo, je vais aller voir. Donc ici, vous regardez, il y en a deux qui sont arrivés en même temps, j'ai eu le temps d'en choper un, l'autre, je ne l'ai pas eu. Donc je suis vraiment tout seul sur cette technique. Regardez ici un autre, Alex à 250 crédits. Donc vous voyez, regardez, Gerson, il est là, je me trompe, regardez, il est là depuis 5 secondes et j'ai eu le temps de faire l'achat immédiat à 450. Donc ici, je vais vous laisser un petit montage dans la continuité juste après, ou c'est maintenant. Où j'ai eu le temps d'en acheter 3-4, je liste, il y en avait un, je liste, il y en avait un, regardez, Gerson, je liste, il y en avait un depuis 4 secondes à 300, j'ai le temps. Et aussi pour vous dire les astuces du jour, les gars, ça marche que pendant les SBC. Là, celui-là, il va sûrement marcher que pendant le SBC où il y a Neymar. Donc aujourd'hui et demain. Et après, ça ne marchera plus. Donc, regardez ici, Martin, je le relise. Donc Martin, je l'ai acheté dans la continuité de celui précédent. Je reviens, il y en a un ici depuis, regardez. Depuis. Il était 20 secondes qu'il était là. Donc voilà. Donc là, on passe sur ma liste de transfert. Regardez tout ce que j'ai chopé à quoi je les ai listés. 1002, 1007, 1004, 1004, 1003, 1002, 800, 900, 1003, 1002. Et regardez le MC à 3100. Donc c'est un MC qui joue en Turquie. Lui, il tombe de temps en temps à 3100, 1004. J'en ai eu plein, énormément. J'ai même su choper deux cartes or. Parce que les or, c'est très dur à choper. Les deux, je les ai eu à 2100, 850. Regardez tout ce que j'ai vendu. Et je vais effacer ma liste. Et derrière, j'en ai refait plein. Et là, par contre, ma deuxième liste, voilà, là, je l'efface. Regardez, j'efface tout. Et ma deuxième liste, là, je vais sûrement vous la commenter en live. Donc là, je vais me connecter sur ma play. Je vais aller voir ce que j'ai vendu. Et je vous commente ça. Donc, à tout de suite. Donc, les gars, on se retrouve pour la partie live, là, par contre. Donc là, je viens de me connecter sur mon compte. J'ai fait 30 ventes. Donc, c'est bien. Tous les Brésiliens sont presque tous partis. Donc, voilà. Donc là, c'est une nouvelle liste que j'ai rachetée hier. Donc, quand vous voyez tout ce que j'ai déjà vendu dans la première liste, là, c'est la deuxième. Donc, les prix, hier, ils avaient un peu baissé. J'ai fait ça, on va dire, vers 1h du matin. Donc, les moins chers, ils étaient à 850. Donc, j'ai à peu près la liste à 850. Sauf, par exemple, vous voyez, ici, Gerson, lui, c'est 1400. 850. Ici, la petite carte bronze, je l'ai vendue 900. Donc, comme je vous dis, on compare les prix, on regarde au-dessus de la Bonilla, c'est une carte brillante 1002, encore dire fin à 1004, et là normalement le standard, voilà, c'est 900 850. Donc là, je viens de me connecter à l'instant. Il n'y a que ça que j'ai pas vendu. Donc celui-là que j'avais acheté 600, 600, 600 et 600. Donc 4 que j'ai acheté 600. Il n'y a que ceux-là que j'ai pas vendu. Si vous vous posez la question, pareil pour lui, là, la Tov machin truc, j'en ai 3. Là, j'ai encore une page. Et là, j'ai une page. Je suis en train de préparer un monopole. Donc je les ai achetés vers 3000 en espérant qu'ils grappent quoi. Donc sur le marché, regardez, il n'y a que ça, donc normalement ça devrait le faire quoi. Tous les jours, celui-là, il tourne entre une page et demie. Galatasaray, à mon avis, à un moment ou à un autre, il va camper quand, je sais pas. Ouais, donc la mauvaise nouvelle, c'est que je viens de me connecter ce matin là, les MC, donc 850, voilà ce qu'il y a. Je viens de les mettre en objectif transfert à l'instant. Donc là, je suis en train de regarder, je crois que ça part. Donc non, là c'est les bronzes, il y avait des bronzes à 600, donc 750. Donc à 800, il y en a. Donc est-ce que ça serait pas, on pourrait, ça marcherait peut-être à 400, je sais pas, ou 450 et on met à 800, 850, ça devrait partir. Après on est midi, les prix vont sûrement réaugmenter dans l'après-midi, c'est à vous de surveiller ça les gars. Donc là je sais pas, là j'ai vraiment, je sais pas quoi vous dire les gars. Est-ce que c'est rentable de le faire? Est-ce que c'est pas rentable? Chez vous, je serai vous, pardon, je surveillerai les prix. Si les prix grimpent, allez-y, foncez. S'ils restent stables, tapez du 400 crédits, 400, 450, relistez à 800 comme ils sont actuellement. Et si vous avez des cartes brillantes comme je vous ai montré dans la vidéo, allez-y, comparez les prix, vous allez quand même vous faire du bénéfice. Donc sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous kiffez ces petites astuces du jour. J'essaye de vous en mettre quand j'ai le temps. N'hésitez pas à vous abonner, il y a des nouveaux abonnés. Je vous dis merci les gars. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo d'achat-vente. Bisous, bisous.